Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la plateforme sur l'épisode 2 Starbound V5 Glad Giraffe. Donc, chers amis, je regardais vite fait si on n'avait pas un petit peu de poison sous le nez, on n'en a pas des masses. Il faudra donc que j'aille en chercher. Mais bon, pour l'instant, nous sommes sur une planète de type Midnight, un des nouveaux biomes donc proposés dans cette mise à jour. On va essayer de le découvrir ensemble, je ne le connais pas du tout, c'est très joli cet arbre. Donc, le principe, c'est que ce sont des planètes où, où tout se passe de nuit, en fait, tout simplement. Je regarde, apparemment, ce n'est que de l'eau. Ok. Alors, c'est dommage, je trouve qu'on rencontre tout le temps les mêmes mobs. Oh, mais c'est pas possible, j'ai loupé mes 3 tirs. Hop, les. Oh, cool. Merci. Alors là, le biome est protégé, donc j'imagine qu'il y a une construction. Effectivement, ce sont des... Ok. Ok, ils me font vachement mal en plus. En plus d'être introuvables, ils me font vachement mal. C'est génial. On va devoir les triquer, c'est pas grave. Bien joué. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Ça, c'est extrêmement pratique en début de partie, chers amis. Ça fait des commandes. Oh, génial. Hop, on va en prendre un. Ça fait des commandes. Des coffres d'appoint, on va appeler ça comme ça. Hop les. Ah génial, du poison. Je peux pas récupérer tout de suite. On va le récupérer tout de suite après alors. Hop. Parfait. Est-ce qu'ici on avait quelque chose? Non. N'oublions pas qu'on a la Bouncy, chers amis. Il faut que j'y pense. Ah oui, c'est vrai. Je peux la garder enfoncée maintenant. Hop. Et je peux la garder enfoncée pour faire des dégâts et le repousser tout le temps. Si ça c'est pas pratique, chers amis. Par contre du coup c'est un peu cheaté hein. Je sais pas ce que vous en pensez hein. Ouais, bon, de toute façon, elle est efficace cette. Dégage! Dégage! Hop, c'est bon, on a réussi. Hop, les. Hop, les. Hop, les. Merci de bien vouloir dégager! Cram! Voilà. Moon Saber. C'est quoi ça, Moon Saber? Oh! Chakram! Waouh! On a débloqué encore une nouvelle arme! Une de ces armes si particulières comme le lance-flamme et le. Et le boomerang, chers amis, donc on va aller l'essayer après tout. Hein. D'accord, donc il a une portée moins grande et il revient. On dirait quand même qu'il est extrêmement. Ah oui, non? D'accord. Il reviendra toujours vers moi. Et il ne fait pas si mal, il ne fait pas aussi mal que le boomerang, c'est vraiment dommage. Alors j'espère qu'il sera amélioré, c'est-à-dire qu'en fait apparemment on va y avoir un système d'amélioration de ces armes si particulières. Donc j'espère que ce sera vraiment efficace. Raté! Ah c'est stylé la façon dont ils vont le faire, hop! Bonjour. Ok, quelques pixels. Oh, des bouquins. Oh. Aïe. Tu sais que ça fait atrocement mal.
Quelques pixels supplémentaires. On se rapproche des 12 000, je crois, nécessaires pour l'overbike, chers amis. C'est génial. On a aussi commencé à trouver des steam packs assez sympas. Parce que ça s'appelle les steam packs, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Raté. T'es trop mauvais. T'es trop mauvais. Brûle. T'es trop mauvais. Hop. T'es trop mauvais. Hop. Des pixels. Brûle. Eh mais il m'aura fait mal, dis donc. Ouais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, oula. Hop. Notre bouquin ici. Oula. Dégagez. Hop les. Et des steam packs jaunes. On prend ça. On se prépare quand même. Ah, faut le casser. Ah oui, faut le casser maintenant. Dommage. Ok. Hop les. Aïe. Ok, on les a eu les deux, c'est génial. Donc maintenant tout est récupérable, chers amis. Absolument tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, dans ce niveau-là, je trouve qu'il y a, enfin dans ce micro-donjon-là, il y a beaucoup de choses récupérables et intéressantes. Enfin, intéressantes à récupérer surtout. Par exemple, ces cool cupboards. Ceci aussi, tout ça, même les portes sont intéressantes. Les, hop, comme ça. Voilà. Là aussi. Crac. Tout ça, je peux le récupérer parce que maintenant que j'en ai un en fait, un exemplaire, je peux en récupérer autant que je veux. Hop. Toutes les plateformes sont intéressantes. Le seul souci, c'est que dans ces choses-là, en fait, on va récupérer des choses qui ne sont pas intéressantes du tout. Alors, ça, ce n'est pas intéressant, les petits trucs gris là, je trouve pas ça joli. Au niveau des lumières, je peux en récupérer une de plus, c'est pas grave, on est plus à ça près. C'est pareil pour les portes. Alors les pods sont intéressants, malheureusement on peut rien faire dedans, même pas ce heal, j'aurais aimé que ce soit une zone de heal en fait. Ces trucs là. Et on ne peut rien y faire. Le lit est moche je trouve. Donc hop, ça voilà, la télé je les trouve pas intéressantes non plus. Les petites lampes là je les trouve intéressantes. Ça c'est clairement intéressant, tout ça là. Hop. La table je l'ai déjà, tout ça je l'ai déjà, c'est pas grave. Ça par contre je peux le récupérer en grande quantité, il n'y a pas de problème. Ce sera toujours utile. Ça, j'en veux. Le poison. C'est génial d'en avoir trouvé parce que j'en ai besoin pour une quête. Le truc danger, c'est pareil. Et pour le reste, on va le laisser sur place. Quoique non, il reste des... Donc ce n'est pas les plateformes que je parlais, mais c'est, il reste les, comment, les, voilà, les petits trucs là en bas. Ça, hop, parfait. Alors, est-ce qu'on peut récupérer le verre rapidement ou pas? C'est un peu long. Bon. Hop. Ok, arrière ville démon. Il n'y a pas un coffre là? Rien du tout. C'est des lianes les trucs noirs là? Ah oui, c'est des lianes. Ah, c'est pas mal, noir sur noir. C'est... Bon, par contre, ça doit être douloureux au niveau des yeux. Je pense que je vais douiller. Dégage. Ah, il y a un coffre, merde. Dégage. Oh, 4 diamants. Oh, des pixels à foison. Mais c'est carrément rentable. Alors. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Intéressant, il y a un ver de terre aussi. Oh, bonjour! Comment vas-tu? Crusader Breastplate.
Intéressant, ces trucs-là. Je la pique. Lancer Helm. Je le prends aussi. Merci. What? Je m'en doutais de ça. Hop, arrière. J'aime ça, la chaleur. Ah, oh, il se transforme en bestiole. What the fuck? C'est un petit côté alien en plus. Regardez le prof. Bah, regardez d'ailleurs le. Les blocs. C'est quoi ça? Hive block. Ah, c'est un des fameux hive biome. Appelez. Ah, c'est intéressant, je peux rester comme ça et avancer avec. What? Ah, il vient. Oh la vache! Ah oui, ça pardonne pas des masses! Ah, la gueule! Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, c'est d'une violence incroyable. Hop, je récupère ça au passage du coup. Parce que je les trouve très jolis, très propres. Oh, j'avais pas récupéré le... Ah non, je suis full au niveau des objets. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que je peux virer qui m'intéressait pas de base? Ça, par exemple. Ok. Retrouvons ces saloperies. Et je me demande si le lance-flamme est efficace dans cette zone. Après tout, il fait de la lumière. Ça me semble être une arme faite pour la zone, entre guillemets. Raté. On verra bien. D'accord, une... Pas efficace. Peut-être prendre un steam pack pour se soigner. Oh là 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 là, il m'a vu. Hop. Et un steam pack vert pour illuminer la zone. Voilà. Ça en éclaire un petit peu les alentours. Raté. Là, ça ressemble clairement à une. À une liane en fait, non? C'était pas. Plus intéressant que ça. Ok, pourquoi pas. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Baby larva. D'accord, ok, c'est glauque. Oh! Génial! Des larves partout. Hop. Alors un instant, je crois que ça a sonné chez moi. Re, chers amis. Alors, voilà. Bon. Il y avait bel et bien quelqu'un qui avait sauté, qui avait sonné chez moi. Est-ce que je peux toucher la zone ou pas? Ah bah je suis con, j'ai le grappin. Appelez. Bla. Quand on n'a pas de bol, hein. Voilà. Hop, on y retourne. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Des petites larves, d'accord. Ouais, ça je m'en doutais qu'on est éteint. Ok. Bah, il est vachement bien ce biome. Il est creepy à souhait, il y a un petit côté Slenderman en plus je trouve avec ses... Des œufs. Des œufs, un espèce de tunnel, vous avez, vous foutez pas un peu de moi là? Je parlais d'alien il y a 5 minutes. Oh c'est un coffre.
c'est un coffre. Putain, génial. Je l'avais même pas reconnu. Il est sublime. J'aime. Par contre, il va me falloir l'objet en question, du coup, parce que... Oh. Respecte mon autorité. Merci. Alors. Non, tu ne m'auras pas. Hop. Yop. Ouais, j'aime bien ce biome. Peut-être que je pourrais, plutôt que de faire un vaisseau entre guillemets RP, je pourrais en faire un à thème entre guillemets avec des thèmes à l'intérieur. Hop là, non. Hop. Aïe. Salaud. Ouais, il est vraiment sympa ce truc, ce biome. J'aime. Je sais pas si... S'il y a d'autres biomes sur cette planète. Mais celui-là me plaît vraiment. Parce qu'il a l'air assez balèze, hein, vous avez remarqué la place qu'il prend sur la planète. Hop. Ça, ça en est pas. Là, il y en a un. Oh, lava chest. Intéressant. Ça me plaît, ça. J'en veux plus. Toujours plus. Donnez-moi plus. Ah, bon. Crac. On sort plutôt bien. Ok. Ah non, c'est bien là, jusque là j'aime bien. Je kiffe ma race. Techniquement. Terme technique. Non. Raté. Oh putain, il esquive même les... Oh putain, il esquive même les trous. Il est badass ce monstre, hein. Je kiffe. J'aime. Ah, on a changé de biome, c'est bon. On va retourner sur un biome, on va dire, conventionnel. Que j'appellerai conventionnel. Hop. Enfin bon, conventionnel, tout est relatif. Là, il y a des chaînes, je vais prendre les chaînes. Alors, question, est-ce que le reste de la chaîne tombe? Ah, toujours pas. Ah. Attendez. Ah merde, j'y avais cru. What the fuck? C'est quoi ce truc? On va dégager ça. Shadow Shrine. Effectivement, c'est... C'est sympa, j'aime. J'aime ce petit truc là. Oh bah il est cool ce biome, dis donc, et j'aime. Franchement j'aime. Là c'est... Je ferai peut-être une base sur ce biome. Hein. On a rien à foutre. Une base high-tech, vous savez, qui donnerait un petit côté... un petit côté alien, vous savez, vraiment alien du coup. Oui, j'aime. J'aime beaucoup. J'aurais peut-être aimé pouvoir voir un peu plus de biomes, par contre. Voir un peu plus de coffres, pardon. Ça aurait été cool, mais je pense que je vais les visiter avec plaisir, ces planètes. Surtout qu'avec le... Oh. Ah non, je crois que c'était un autre truc. Surtout qu'avec le... Comment le Xenon Pack dans le dos, ça va... Ça fait bien. Ah, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Je suis con, je reste appuyé. Hop. Voilà. Pas de biome, enfin pas de coffre, pardon. En tout cas, pas que je ne puisse, que je sois à même de voir, en tout cas. Reste là,
Très très bien où tu es. En tout cas, de discerner. Peut-être pas de voir, mais de discerner. Je vais m'arrêter là. Enfin, à ce terme, en tout cas. Pas tout de suite dans l'épisode, ne vous inquiétez pas. What the f... Un carillon? Mais c'est absolument... C'est absolument mignon! Mais y'a rien d'autre? Ah, c'est nul! Ah, y'a un autre truc en dessus. Et ça non plus, ça donne rien. D'accord. Shadow Shrine. Alors, attendez, est-ce qu'il y en a plusieurs? Shadow Shrine. Là, j'ai Shadow Shrine. D'accord, j'en ai deux du même nom, en fait. Donc, il y aura rien de nouveau dans ces objets. En eux-mêmes. Ah, un coffre. Ça y est, en voilà un. Ah, bah tiens, un petit peu. Ah, bah, ce qu'on cherchait, justement. Pistole. Bah, putain, il fait pas très pistole, celui-là. Écoute, on va te prendre. Qu'est-ce qu'il fait en second tir? Rien du tout. Oui, c'est un pistolet, je suis con. Ouais, bon bah écoute, on va te prendre. On va mettre ça à la place du bouclier moisi qui est ici. Ah oui, t'attaques une fois tous les 30 ans, quoi. Wow, 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 wow! Wow! Dégagez! Il y avait un coffre là. Noir sur noir. Oh la gueule! Bien joué! Eh ben on n'est pas prêt de les trouver les coffres, hein, je peux vous le dire, chers amis. Hein. Excusez-moi pour vos oreilles, mais franchement là ça va être coton. Un deuxième coffre. Waouh! Ah oui, ça va être d'une rare violence même, je dirais. Voilà le terme que j'emploierais. C'est une rare violence. Hormis ceux-là qui sont assez faciles à repérer parce qu'il y a, disons, des indicateurs, entre guillemets. Et les oranges qui sont toujours faciles à voir, si on fait pour. Oh, dis donc, on va en chier aller voir s'ils sont pas sur un piédestal, quoi. On va soigner un petit coup quand même. Oh la gueule. Oh, ça touche. Ok. Là j'en ai un autre. Bon, ça c'est toujours intéressant de ce côté là, y'a pas de problème. Par contre du coup on a perdu beaucoup de pixels avec notre mort de tout à l'heure. Et en plus il faudra qu'on aille en profondeur pour aller chercher de quoi avoir une meilleure armure. Encore un truc. Est-ce qu'il y a un coffre dans le coin? Rien du tout, malheureusement. Oh merde. Là non plus. Dommage, dommage. Waouh, ce biome est génial. J'adore. What? C'est quoi ces saloperies? Ah, oh, ils sont géniaux! En plus, ils ont un big smile, quoi. Oh non, je l'avais déjà. Ça c'est quoi? Oh, dark disguise. Déguisement sombre. Oh. On ne verra plus bientôt, chers amis. On ne me verra plus. Un deuxième boomerang, mais le boomerang est à une main. C'est totalement cheaté, en fait. Je le prends. Allez, on ne me voit plus, effectivement. Je suis une ombre dans l'ombre. Il n'y a pas d'autre terme, hein, pas d'autre façon de le dire. Hop. Non, rien d'intéressant là-dedans. Hop. On a gagné du temps sur ce saut. Oh putain. Rien par là.
Wow. Aïe. Non, dégage. Hop. Ils sont vachement cool ces trucs là. Oh, une guitare électrique. Oh, on a le même, dommage. Une guitare basse, pardon. On a le même, on a le même, on a le même, on a le même. Je vais le laisser. Par contre, vous, les gars, les gars, je vais vous en fermer. Hop. Vous avez pensé à quoi, vous? Hein, bande de gros dégueulasses. Hop. Parfait. Ah, vous avez vu, en plus, je laisse une traînée. Traînée d'ombre derrière moi. C'est stylé. C'est carrément stylé. J'espère qu'il y a la cape qui va avec, comme ça, ça cachera entièrement mon personnage. Oh, un coffre. Oh, génial. Une bonne quantité de minerais, sans avoir à creuser. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Rien d'intéressant. Hop. Rien que je ne vois qui puisse m'intéresser. Est-ce que c'est celui que j'ai fait? C'est celui que j'ai fait. Ok, donc on a fait le tour. On remonte. Hop. Oh, c'est stylé avec la petite ombre derrière. Ok, bon, alors déjà, ça. Ça, je peux le virer. Ça, je peux le laisser. Au niveau des minerais. On a une chier de choses quand même. Hein. J'aime pas ça, faut vraiment falloir qu'on améliore ce vaisseau. Hein. Est-ce que selon vous, j'ai le droit de l'améliorer en admin, comme d'habitude? Ou pas? À vous de me dire, chers amis. 3 matières manipulateurs modules, j'en ai 3. Pour une plus grande puissance. Il en faut 4. Pour avoir donc accès à la taille de 4x4 qui nous suffira donc à nous-mêmes à creuser en fait pour nous. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, ici. Hop. J'expliquerai en quoi correspondent ces différents minerais un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Ouais. Alors j'ai quoi comme... normalement sur moi j'ai un petit peu de poison, j'ai quoi d'autre comme quête? Le bouquin je l'ai, mon emblème je l'ai pas. Allons voir. Donnons ce qu'on peut déjà à l'autre poste. Et on va voir pour le reste tout à l'heure. En tout cas j'aime ce biome. Bah j'ai pas d'armure en violium ou en... Ah non, j'en avais pas d'armure. Bah écoute, donne-moi la mission si tu veux, mais je n'avais pas l'armure qu'il fallait. Hein. Bon, c'est pas grave. Je te remercie. Hop, tiens. Où est-ce qu'il est l'autre? Liquid poison, j'en ai normalement. On a récupéré dernièrement, voilà. Mais alors, où il est le bonhomme? Où il est le bonhomme? Alors soit je suis aveugle, ce qui est possible. Hein. Genre ça des mails en plus. Gah! Un mec avec un casque. Il y en a pas de ces mecs comme ça. Ok, c'est très bizarre. On va se rapprocher un petit peu de la zone de téléportation, on verra bien.
Il est pas en haut. Peut-être sorti, hein. Tout simplement. Ouais, non, là, ça commence à faire bizarre. Quoique le chien est arrivé jusque-là. Après tout, pourquoi pas lui? S'il est tombé dedans, par contre, ça va être coton. Hop. Hop. Voilà. Yo. On a peut-être 10 sur moi. J'en avais 10 sur moi. Merci pour ton truc. Qu'est-ce que tu avais là-dedans? Rien du tout. C'est vrai, j'ai oublié. Maintenant, c'est le retour. C'est sur le retour, faut être beaucoup plus... Ah! Voilà l'échec. C'est une mort, comme une autre. Cependant, on n'a pas vu l'autre trou du cul. Ce qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue. J'espère qu'il n'est pas décédé. Parce qu'entre le pingouin qui me permet de rendre une quête, alors qu'il n'y en a pas de raison, et le personnage en question qui a l'air d'avoir disparu. Ouais, 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 ça pue du cul. Non, il est là. Je viens de le voir. Regardez le v'là. Te barre pas. Cesse. J'ai une quête pour toi quand même, hein. Ah, du cheese aussi, il lui faut. Mince, voilà pourquoi il n'apparaissait pas. Voilà, j'ai ton fromage, excuse-moi. La quête était tellement débile. Bon, on va remonter sur le vaisseau. Hop. Et on va se laisser là pour cet épisode, les amis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, dont vous retrouvez le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on va aller sur... donc on est sur la planète 3, le système 4, Frigid Ocean, 5 ça donne une autre Midnight, et ben on va aller sur une autre Midnight, on va aller voir ce qu'il y a à voir dessus. Hop, ici on hop, on bourre un petit peu notre réservoir, voilà. Et on se laisse là les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.